Deleuze nous rappelle ce que Malraux comprend de l'art. L'art, pour Malraux, est ce qui résiste à la mort. Une œuvre d'art n'appartient pas à son époque contemporaine, mais une œuvre d'art vise le au-delà de son époque. C'est pour ça, même aujourd'hui, qu'on est fasciné par les peintures préhistoriques qui ont été créées, ça fait des dizaines de milliers d'années. Dans un sens, l'activité artistique cherche à trouver immortalité à travers le matériel qui est fini lui-même. Mais aujourd'hui, la digitalisation nous fait être témoins d'une révolution culturelle, comme le dit Flusser, qui ne change pas seulement nos moyens de communication, mais aussi création. L'art aussi reprend un autre sens, un nouveau sens dans cette période. Deleuze, qui voit cette rupture culturelle, reprend malheureuse compréhension de l'art et à son tour, il dit que l'art n'est pas seulement ce qui résiste à la mort, mais l'art est ce qui résiste. Ça veut dire que aujourd'hui, il n'y a plus d'art qui n'est pas politique, l'artiste en soit conscient ou pas. Et certaines sortes de créations, comme les œuvres d'art brut, qui sont les expressions radicaux des autres de la société, sont encore plus politiques. Parce qu'ils nous montrent que notre pensée et, en conséquence, notre manière de vivre est possible. On sait bien que le capitalisme s'introduit comme l'état naturel humain qui n'a pas une alternative. Une des forces magnifiques de ce système sociopolitique et culturel et économique qu'on appelle capitalisme est d'intérioriser l'extérieur pour maîtriser les forces et les intensités de l'extérieur qui menacent son hégémonie d'une façon ou d'une autre. Et une œuvre d'art brut nous frappe parce qu'il nous montre que même dans le milieu de ce système qui ne connaît pas un extérieur à soi-même, l'extérieur, en tant que le lieu de résistance, existe encore avec toutes ses forces, avec toutes ses intensités individuelles. Même dans l'isolation extrême, même dans la solitude extrême, la création existe et nous demande étrangement de le partager. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une des inspirations qui nous appelle à l'action collective et politique.